La société, situation compliquée, bois marré, jouette la gâtée. Quatre bonnes nouvelles, quatre bonnes informations, Info PMTV, nous prenons exactement ce qui a passé, bandit cap tombé, vivant sans brecou, réel, de l'eau dans les yeux, iso barbecue, pas suspendre plein crié, Luxon dans sa vie, la police pété. D'être ça avec cartouche, la société, nous pral démarrer avec information pour vous. Et, premier point, nous pral développer dans le cadre émission si là, la police débarqué dans Savien, l'armée d'Haïti, hélicoptère d'Haïti a débarqué dans Savien, Gary Kony mette pied à terre, plusieurs bandits tombés, rete là, nous pral bon détail, nous pral bon information, tout le monde nan pour sonde, c'est vous, bravo y a bat pour. La police, pour Gary Kony, tout le monde sa vie, c'est que quand on s'est fait, c'est réel, n'a qu'à vivre ensemble. Deuxième information de pote pour vous, Jeff Canaran, avec le mot Saint-Jou, qui te voit 20 long avec 20 soldats, on dit 20 bandits, by Luxon, pour porter renfort. Après, on te voit la police, hélicoptère débarqué dans sa vie, et bien, faut que nous disons, nègre la meilleure, manger 20. Si bandi sa yo, eh bien, faut que nous disons, 12 manches longues qui saisit, eh bien, plusieurs là-dedans yo, rete à terre, sous route, titanien, rete là, nous pral bon détail, nous pral bon information, nan Gressier, commissaire Muscadet, pote bourré, bagala ki compliqué, itag swat, manke bon sou ti bébé bougoy, si ti bébé pa koukoube, konne ti bébé bougoy, gen jab souli, nèg yo vide katou souli, rete là, nous pral bon détail. Dossier Guy Philippe, porte-parole opposition, porte-parole révolution, pral ensemble avec nous, la société, dans quatre émissions si là, nous pral brasser bill, actualité à Guy Philippe, pral prendre contrôle pays d'Haïti, rete tan mwen, nous pral gen, porte-parole révolution, porte-parole opposition, on membre actif, qui pral brasser l'idée ensemble avec nous, nous chaje koulek ba, Kiki, Gigi, nan wana met, fok nou djou, nan celui du sud, deblos ay pété, entre Ajan Besap, avec kek vagabond, population bat bravo pour Ajan Besap. L'autre information, la société, Gary Kony rive nan commissariat, nan Semak, population bat bravo, nous pral djou exactement qui promesse Gary Kony fait, moun la tibonite. Dossier! Opération dans sa vie, c'est pas opération qui a commencé, qui a déplacé après 2-3 jours. Mais, d'après porte-parole la police, là, son opération qui a prêté dans sa vie jusqu'à ce que yo touye Luxon, chef gang Savien, avec toute acolyte Lio. Qui donc, nous charge Kouleba, par à ton seconde en émission si là. De pour faire que tout monsieur Alsan a demandé, abonnez. Partagez, like et puis quittez-nous nos commentaires pour nous capables de saluer. N'a profité occasion ça pour nous saluer. Sadrak Louis Jean depuis Floride. N'a salué Will Gaines depuis USA. Salutations spéciales, amis internautes, à tout abonné InfoPM TV. Cathy depuis la France. Cathy Joseph depuis Saint-Domingue. N'a salué Alteri Calix depuis Mexique. Et c'est tout le monde ça. Qui branche Info PM TV, nous charge koulek ba, man petit mare vote, sa population tap cherche dans la tibout la, yo jwenn li, eh bien, fok nou djou, Luxon, dit le pape mouri, seul pa di, qui est, qui dernier fois, et combien zam, yo il a totu, te bali. La société situation vraiment compliquée, pas oublier ou sou Info PM TV, Chanel, Maman Peba, nous vraiment déterminés pour nous porter une émission tout à fait spéciale baou, je dis hein, nous pral et partager en pile information baou, nous pral passer un très très bon moment, donc on a dit à Pierre toujours dit et équipe la mobiliser pour nous exactement al dou qui ça cap passer dans gros opération cap fait dans Savien et d'après information que vinn je nous t'assemblé gétan gen plus passé 7 bandits qui tombé dans Calixon, donc nous ça salue tout abonné InfoPM TV, n'ap salue et tout silayo qui
qui dans Saint-Domingue, n'a salué Silayo qui est un peu partout qui Kenols. Nous saluons Kenol et dans Saint-Domingue qui fait connaître qu'il est déjà présent la société a nous démarré avec information. Bon, encore une fois, bonjour et bonsoir à tous les abonnés InfoPim TV. Nous déraper avec émission là. Nadia Pierre déjà ensemble avec nous. Pas oublier que n'a pas basé émission sur 4 points. Nous sommes présentés là. Surtout, dossier hélicoptère qui débarque dans Savien. Garikoni mette présence li dans Savien. Bandi déjà tombé avec Zam nan men yo. Et invité de nous pral gagner qui pral brasser bill et actualité a surtout nous connaît ses porte-parole opposition et dossier Guy Philippe pral parler dans cadre émission ça tout ça que t'a supposé faire très très bientôt pour finir avec dossier gang là dans pays d'Haïti la police gon plan spécial qui pral commencer exécuter dans jou ka vin la yo. Nadia Pierre, bonjour, bonsoir, bienvenue sur InfoPim TV. Bonsoir DJ, bonsoir confrère nous JJM, bonsoir confrère nous Gigi, bonsoir confrère nous Kiki, l'homme infatigable, toujours présent dans la rue Port-au-Prince pour couvrir tout événement, pour donner information, abonnez InfoPim TV, bonsoir 10 départements géographiques pays, bonsoir toute diaspora, c'est toujours un plaisir pour nous plateau ça ensemble pour analyser commenter actualité dans le pays d'Haïti. Restez connectés, nous allons passer de très bons moments ensemble. Nadia Pierre, restez connectés, nous allons passer de très bons moments ensemble. On aller tout de suite qui sont portés pour nous dans l'actualité, qui sont gagnés comme information dans sa cap évoluer dans le pays d'Haïti sur le plan sécurité et insécurité et puis politique. Tim Garikoni te accompagné ensemble avec population Kafoufé, en pile réfugié dans lycée Marie-Jeanne, te manifesté jodia devant la primature côté yo montré premier ministre Garikoni yo ap sipotel, mais yo besoin sécurité, yo besoin pour premier ministre Garikoni organiser élection pressé pour stabilité de retourner dans le pays. Yo dit premier ministre Garikoni, rendez-vous, c'est élection et sécurité, parce que les réfugiés dans le camp Foufè yo besoin retourner la caillou jusqu'à présent pour qu'on ait un yé qui fait pour retourner la caillou. En pile moun te manifesté malgré nous connaît une situation difficile pour yo, mais en pile moun te présent devant et villa d'accueil et en façon pour te capoter solidarité ensemble avec Garikoni. Du même coup yo te profité lancer message by PM nan pour PM nan capable zami internaute porter soutien à lui-même, même PM Garikoni nous connaît actuellement là qui est de passage dans département la Tibonite là, spécialement dans Semak côté il était débarqué dans commissariat Semak là en pile promesse faite et faut nous dit la police pas quitter la Tibonite tout autant yo pas prend contrôle bas à Tibonite là. Ça veut dire dossier gang ça vient c'est pral fini si nous t'avle faire confiance avec porte-parole la police là. Après drame qui passé dans la Tibonite, Caleb Exantus, c'est nouveau directeur département la Tibonite là, li remplacé dans poste Paul Mena jeudi vendredi 4 octobre là. Faut que nous signaler tout que changement ça vini après drame qui t'est passé dans département la Tibonite là. Hier jeudi 3 octobre là, côté bilan de parler de 50 moun qui t'a perdu la vie dans attaque nèg azam te fait sous département la Tibonite là, côté population té nan couri en pile blessé, environ 50 moun perdu la vie à jeune mouché baron en bas nèg azam qui t'a terrorisé population qui continue à terroriser population dans département la Tibonite.
Pendant visite Gary Conni dans département la Tibonite là, nous avons moun pour sonder population dans Semak. T'a bat bravo pour Gary Conni, yo senti son vent l'espoir qui soufflait sous département si Gary Conni ka fait présence li ensemble avec un pile autorité dans l'état. Et bien maintenant un pile question qu'a posé, est-ce que visite ça pral yon visite sans suite ou bien est-ce que Zam pral bébé dans la Tibonite là? Jean un pile moun t'a souhaité ça Nadia Pierre. N'a fait un petit coup de pied la caille voisine en République Dominicaine côté nous connaît gouvernement t'a annoncé que yo pral voyer un pile haïtien tourner la caille deux jours après gouvernement lui Abinadel l'a déclaré que yo pral voyer 10 000 haïtiens tourner chaque semaine dans pays d'Haïti opération bousquer haïtien a consisté dans République Dominicaine selon une source d'information yo gen tan arrêté plus passé 1100 haïtiens jeudi vendredi à vers midi exact. En pile préparation a fait et Luis Abinadel qui c'est président pays Saint-Domingue fait connait que toutes mesures déjà mettées en place pour capable respecter dossier déportation massive ça contre haïtiens. Je n'ai pas mentionné là 10 000 haïtiens qui a déporté chaque semaine et processus de déportation a déjà commencé. Si nous avons fait quoi et ça Nadia Pierre saute dis-nous d'après une source fiable un pile haïtien déjà arrêté dans le cadre de déportation massive, ça, amis internautes. Selon opposition plurielle, appel rapport ULCCA, pour yon même conseil présidentiel n'a pas existé, nous connaissons conseil là, c'est 5 moun qui doivent voter pour yon décider yon moun. Étant donné 3 membres dans le conseil là, déjà pas crédit, déjà pas dans le conseil là, pas qu'a gen rien qu'a fait en dans conseil là puisque après des 4 moun quel que soit ça conseil là ta doué faire ta doué gen 5 moun qui voté vin après des 4 moun d'après opposition plurielle là conseil là pas utile rien encore s'il t'arrêter dans tête pouvoir conseil là son conseil qui déjà crasé opposition plurielle là dit yo déjà gen stratégie comment yo pral gérer pays a 17 octobre yo qui t'a annoncé gros mouvement si yo pas qui t'en prend tête pays a parce que yo dit yo mieux placé pour résoudre problème insécurité qui a ravagé pays a yo garanti population dans 2 mois la paix a tourné normalement dans pays a depuis yo fin prend tête pouvoir avant 17 octobre selon maître Caleb Jean-Baptiste. Jean ça t'est annoncé à zami internaute gouvernement et haïtien gen propre hélicoptère parle effectivement hélicoptère déjà en œuvre et bien hélicoptère qui déjà volé pour rendre l'inan et département la Tibonite c'est vrai en pile moun tap attendre son hélicoptère militaire mais plutôt son hélicoptère de transportation effectivement hélicoptère ça pral là pour continuer porter policiers, transporter policiers dans le département de la Tibonite pour être capable de finir avec dossier gang, surtout chef gang Savien Luxon Elan. Selon président transition, hein, nous connaissons président transition LIDA, c'est Chantel Joseph, c'est lui-même qui est représentant. Président transition, hein, selon lui-même, lui félicite le comportement chaque membre qui n'a opposition, bataille que yo te fin fait sous canal là, ensemble avec Bessap, que lui-même était directeur Bessap. Après bataille ça, tout projet qui était lui-même sous lui, côté lui te joint en pile proposition pour te venir dans le gouvernement qui là, parmi 7 membres qui tapent là, yo te mandé pour te voyez représentant pour te faire partie 7 membres dans la présidence là mais yo te refusé catégoriquement et moun ki nan koe nan transition ensemble avec te félicité décision ça te prend jodi a l'a regarder tout nèg ki nan conseil là ki fait ki met yo trempé bien longue dans affaire corruption côté yo accusé yo dit affaire corruption by BNCA c'est pas seul 3 membres yo ki impliqué mais c'est 10 moun ki impliqué y compris Gary Conni comme premier ministre et
de 9 membres dans le conseil présidentiel là. Nous connaissons le conseil présidentiel là, il y a 7 membres, plus 2 conseillers et plus premier ministre Garry Conille, lui parlait de 10 personnes qui t'a impliqué dans affaire corruption 100 000 gouttes dans BNC. Et président transition bat bravo pour comportement que yo te gen ki digne qui montrait que yo capable représenter Haïti, yo digne pour yo représenter pays ça côté ancêtre yo fier de chaque décision yo prend. D'après ancien ministre Joaceus Nader, eh bien chef de l'opposition ou bien chef et révolution Guy Philippe gen mandat derrière. Oui, Guy Philippe gen mandat derrière, eh bien mandat ça te mette depuis sous gouvernement Ariel Henry. Eh bien zami internaute Guy Philippe qui dans situation difficile d'après Joaceus Nader, il fait connaître leader opposition toujours prêt pour répondre question devant la justice depuis doit respecter et le fait connait que ça pas empêcher Guy Philippe continuer goumer parce que mandat ça li daté depuis sous gouvernement Ariel Henry. Protection civile continue travail sous route la li et poste marchand nous connait route ça écrasé qui mène directement bon palais national, toute route ça y est écrasée côté en plus le monde est critiqué quelques minutes avant que au joigne palais national pour en route écrasée dans état ça protection civile commencer ensemble avec travail ça pour la vie carré prendre normalement dans zone ça nous connaît route là qui est écrasée toute bagaille est paralysée dans zone la lua. C'est tout pour ça, mes amis, avec un paquet de bonnes notes, nous pouvons développer pour dans cadre émission si là, pas oublier, nous pouvons avoir porte-parole opposition, porte-parole révolution, nous pouvons avoir ensemble avec nous qui pourra brasser pile actualité, en pile question pour le poser, en pile information pour le partager. Et tout de suite, mes amis internautes, nous pourrons et faire contact ensemble avec lui en façon pour nous capable alpha connait exactement ça qui a passé dans pays et surtout dans la Tibonite gros opération en pile bandit déjà tombé n'a regardé image yo là zami internaute la police avec population maillage ça qui déjà bail résultat dans ponsonde yon bandit nous capable dit plusieurs bandits tombés mais gitan des armes qui serré d'après image qui armes qui récupéré d'après image n'a regardé dans menou là zami et l'autre yo manche longue nan men yon soldat et ça vient yon nan soldat Lixon yo et bien monsieur tombé avec zam nan mel bagala ki red nan la Tibonite. Nous pral vin avec plus information pour vous, avec plus détails zami internaute. Je ne saute annoncé, chers internautes, abonnés Info BIM TV. Nous déjà gain ensemble avec nous, porte-parole, opposition, porte-parole, réveil. Et bon, il n'y a pas présenté un grand, nous pensons que l'Ipral présente le bail toutes amis internautes yo en façon pour nous capable à brasser bill actualité sociopolitique là dans pays d'Haïti. Nous pral toucher en pile point déjà nous dit invité nous bonjour bonsoir bienvenue sur Info PM TV et nous gain honneur pour nous recevoir ou à présenter ou bay abonné Info PM TV. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de participer avec nous après-midi, hein, et côté que pays non conjoncture qui est vraiment crucial par rapport à ce qui se passe dans la politique. Hein. Donc, pour saluer tout l'interview et surtout si la OPI, vous-même, collectez tout pour aller là sur toute plateforme Info PM TV. Non pas M. Désil du Nord Fresnel, donc pour faire que ce soit dit, et moi, c'est également porte-parole et réveil national pour la souveraineté d'Haïti allié. Donc maintenant, nous sommes dans une grande mouvance politique qui c'est pour l'opération Leader Haïti. Nous allons ensemble et regarder qui, en quelque sorte, cette modalité, bien entendu, n'a bien pour mettre en application pour nous arriver à rapatrier souveraine des pays hein, que nous estimons des hommes et des femmes qui, eux-mêmes, depuis la nuit des temps, accaparent le pouvoir politique. Là. Et à traîner dans la boue, non, à traîner et bolio devant et la communauté internationale pour faire croire que nous-mêmes dans son pays pauvre à tous les niveaux, pour que nous pas gagnent car au fur et à mesure, parce que Haïti, son pays qui lui-même, il y a là-dedans des hommes et femmes conséquents
Mais malgré tout, bon, misère conçue pour nous depuis nombre de temps après la mort de Jacques Dessalines, qui mettait nous dans conditions qui fait que nous avons parfait bonne garde de ça nous-mêmes nous représenter comme peuple de souveraineté et de tout ça nous gagner comme intégrité, comme dignité de peuple pour nous avoir des possibilités qui ont destin nous-mêmes. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, au niveau du réveil national pour la souveraineté d'Haïti, alliés à travers l'opération Libérer Haïti, et nous décréter la permanence, nous toujours créer des stratégies pour que nous arrivions à garder ensemble les structures qui ont été sur pied dans l'idée pour nous faire tant de voix à nous, faire tant de voix à la population, puisque nous-mêmes, nous gagnons comme patron la population haïtienne qui a même essoufflé pourquoi elle est là, puisque elle a considéré, juste dans la minute, d'abord, il y a deux monde qui a même quitté la caillou, qui a évolué à la belle étoile. Il y a deux monde qui a même appris humiliation dans divers pays dans le monde, notamment de la République voisine, qui c'est la République dominicaine, côté que y a objet de situation de toutes sortes, de humiliation, pardon, de toutes sortes. Eh bien, nous-mêmes, nous dit non. Faudrait-il que données ont changé dans le pays d'Haïti pour que gagne de groupe en mat garçon qui prennent le pays et qui prouvent en quelque sorte qu'il y a une capacité pour que les décisions concernant Haïti soient prises par les Haïtiens, avec les Haïtiens, pour les Haïtiens. C'est dans des marches à nous inscrire et c'est ça qui va le faire. Nous retrouver d'abord en réveil national qui sont structures qui est conçues par différents partis politiques et diverses autres entités sociopolitiques. Et qui prennent la suite, viennent amplifier avec des pactes ou encore des séances de concertation qui ont été effectuées, côté que nous allons rejoindre en pile notre structure politique qui ont même rejoint nous. Et à partir de ça, nous allons déboucher sur le grand mouvement, ça, comme je disais tout à l'heure, qui c'est OLA, Opération Libérer Haïti. Et depuis, nous avons tenté plusieurs actions pour nous prouver que nous-mêmes, nous sommes des hommes et femmes qui décident d'aller au péril de nos vies. Pour nous dire, nous plantons, puis bois, même si nous-mêmes, nous n'avons pas de possibilité de jouer humble, mais petite, nous ajouter, puisque ce qui est intéressant, c'est la souveraineté d'Haïti, et c'est vrai, pays nous, et retrouver encore une fois au rang des pays du monde, et pourquoi pas, et pour lui-même, lui représenter, même celle de représenter dans le temps, qui c'était en période de taper nous la perle des Antilles, et nous avons également gagné une représentativité noble sur la carte mondiale, et c'est dans ce sens-là nous entrer dans la dynamique ça pour nous voir qui gens souveraineté pays en carapatrié et le plus vite que possible. Donc, merci encore une fois pour l'invitation et m'espérer que nous prenons la possibilité de passer quelques minutes de dialogue qui est vraiment intéressant pour l'édification internaute nous, dans l'idée pour nous garder ensemble les dynamiques que nous avons développées pour nous retirer le pays d'Haïti dans la situation que nous avons dit. Tout à fait, merci parce que vous répondez à invitation nous. Donc émission ça li animé par moi-même qui c'est PDG plateforme là, Nadia Pierre et puis JJM qui a rejoint nous tout de suite pour nous capable et brasser l'idée dans cadre et émission si là. OLA qui c'est opération pour libérer Haïti qui gon paquet structure en dedans son gros mouvement tant ou sont mentionné le fait que ou c'est porte-parole réveil mais gros structure ça gros mouvement ça qui c'est OLA qui l'autre nous capable dire organisation politique parti politique l'autre structure politique et qui fait partie de opération pour libérer Haïti. Effectivement, il y a plusieurs coalitions politiques même qui en donné, notamment nous avons RHPC, qui est même dirigé par Saint-Armand de Lycée, qui c'est un tout dans le coordonnateur général adjoint du réveil national. Il y a une solution qui est dirigée par coordonnateur Phyto Saint-Fleur, qui est même tout. Alors c'est Phyto Lafleur, pardon, qui est même tout, c'est coordonnateur général adjoint. Et puis, où jouent nous bien actuellement avec nous, nous bien Molidaire, nous bien Bloc des avocats engagés, et plusieurs autres plateformes politiques qui en dans grand mouvement ça, donc comme des intérêts qui c'est opération de l'IAIT, puisque les sont pas avec nous là. Mais mettez sous ça, qu'on paquet d'autres organisations et sociales qui rejoignent nous, puisque dans la situation pays là, c'est la grande population entière qui est lui-même asphyxiée, et c'est ça qui fait synergie, ça allait développer entre différentes têtes qui ont même senti nécessité de mettre
énergie ensemble, pardon, dans l'idée pour nous, qui gens nous permettre que le pays d'Haïti aller pour souffle en bas pile sanguinaire et qui eux-mêmes depuis digne temps toujours là pour renouveler tête et pour aller là dans vous yo représenté à travers on couleur sept têtes de corne et plus son queue maintenant et qui a fait toute tractation avec l'international quoi que monde ça objet de toute forme de corruption et je suis certain même Jacques Moin nous avons possibilité pour nous faire connaissance avec le rapport de l'ULCC qui lui-même mentionnait que les en fait que supposé mettre quelque sorte action publique en mouvement contre trois conseillers qui eux-mêmes soupçonnés de ça qui voit avec corruption parce que on nous dit que nous connaissons très clairement en matière de dignité ou encore de moralité d'État, même la femme de César ne doit être soupçonnée. Donc maintenant, il n'en est pas question de la femme de César, c'est César lui-même qui est soupçonné. Ça n'est que ça a été supposé faire, c'était météo à l'écart, dans l'idée pour que la lumière t'a faite sur toute sa reproche. Toutefois, si vous-même, vous avez respecté ça qui est pour l'État de droit en deux pays, vous avez respecté l'espace que vous avez brigué, c'est vrai, de manière illégale, mais de fait que là, si vous avez bon petit respect pour ça qui est pour avec les principes de l'institutionnalisation que tu as senti une nécessité pour que tu mettes au record dans l'idée pour lui être fait et le ça si il pas coupable tu as bien possibilité pour que il retourne dans fonction et puis pour aller de l'avant et la république maintenant tu comprendre que il y a des monde effectivement qui était dans tête pété à une certaine période mais ça t'est arrivé et voilà que il t'est retranché ça du coup et voilà mais qui mais comment ça t'est fait donc malheureusement ils ont toujours fait arrogance, ça qui trouvait culpabilité, puisque ils même ils pas entendre la raison et mon ça eux aussi objet de tout ça qui vient pour avec format de corruption sur toute la ligne contre l'évolution du pays, contre le développement, puisque le on pays dans cette corruption qui s'appelle fait pour mettre la grande population en misère noire, puisque tout ça que t'as supposé vivre pour population, hein, eh bien bon petit groupe on arrange yo yo get un accaparé et ceci c'est avec comme taxe. On nous dit que nous gagnons, c'est le secteur paysan qui presque gagne plus passé 5 ans là depuis son secteur qui malheureusement a souffri et a subi toute qualité de malversation qui a passé dans le pays, puisque nous connaissons le monde déjà, c'est un petit bout de jungle que tu as arrangé pour produire dans le pays, mais tu as toujours arrangé quand même, même si l'État a abandonné, là où il produit pour fonger, où il coule pour du sao dans la capitale. Là. Si nous apprenons, par exemple, des associations de paysans qui, au niveau du Grand Sud, et ça qui est dans le Grand Nord, je te connais quand même, mais pourquoi elle est la possibilité de ça à licencier, fini pour eux, puisque il y a gang dans tout étendue du territoire, hein, qui, des fois, non seulement les OTFN a fait tentative pour arriver, ils kidnappent, ils tuent, ils demandent ça ne va pas posséder, donc pour ça, on finit appauvri. Et mettez sous ça, par contre, si nous rappelez, nous, pour ça qui est pour avec la production de riz au niveau de la vallée de la Haute-Tibonite, et bien, un groupe parlementaire, qui, en complicité avec les Vietnamiens, et qui eux-mêmes devinaient avec le produit et si maintenant valait, et puis du coup, c'est grave qui était mangé tout le produit, Monsaro. Donc, son façon pour Monsaro, mettez pays à un niveau de l'île. Parce que j'aime dire, dans le début, ou encore dans l'introduction, non. Misère, peuple à prendre là, son misère est conçue pour nous, et construction sale corps, commencé le but en 1806, tout de suite après la mort en prière. Et c'est une façon pour utiliser la grande population au besoin. Je dis à la, m'a dit, et m'a souligné pour tout le monde qui a entendu nous. N'a pas gardé à chaque fois gagner de nouvelles têtes qui, eux-mêmes, en dedans, rentrer en dedans échiquier politique, là, et qui a parlé politique. Et misère, ça a remis des populations à la donne. Et ça, tout, politique traditionnelle, il a fait déjà, parce que c'est un secteur qui fragilisé de la mesure. Donc, il y a le monde qui était là, qui, eux-mêmes, et qu'on a utilisé misère population, fait auprès de la rue, dit que, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, alors que ces affaires peuvent être défendre, et là, constater le monde, ça a même eu au pouvoir. Il fait pire que ça l'autre, que ça au même lieu reproché l'autre. Cela veut dire que nous comprenons tout carrément, je vais te dire que là, c'est ton jeu, autant que je m'y mette. Mais ce n'est pas parce que tu as des changements, tout le monde. Maintenant, on a une journée équipe, et tu as un réveil national et allié en un mouvement, et ça, qui c'est où la opération Lady Haïti, et bien nous comprenons que nous apprenons tant pour nous aider à sensibiliser mon lieu, parce qu'on dit, rate pendant deux jours, maintenant, elle va tout faire, et on s'est gens très prudents. Et n'a dit population, nous pas besoin de peur. Équipe ça qui là, nous c'est le monde côté que ils ont côtoyé nous, ils ont fait une toute qualité avantage. Mais ça qui constitue les motifs nous, c'est ouais pays nous, un jour
garder souveraineté. C'est vrai, la grande population, la jeunesse haïtienne, qui a choisi de voyager pour aller faire une étude, qui a choisi de faire des exploits, mais nous refuser et nous voulons suspendre nous en affaire avec des citoyens haïtiens qui ont couru soit pour insécurité, du moins pour aller chercher mieux être, puisque la terre d'Haïti, c'est une terre fertile. Et ceci, on l'a si bien étudié au niveau de la géographie, côté que et nous apprendre le pays d'Haïti, c'est un pays essentiellement agricole. Donc, c'est un espace côté que des agronomes de peu partout dans le monde ont supposé venir faire des expériences, faire des exploits. Mais malheureusement, il y aura un pays ça a tourné en enfer pour nous, et c'est ça où on est. Et c'est surtout avec armes et munitions de pays qui disent que c'est allié, nous, que c'est un pays. Et bien, c'est eux-mêmes qui ont venu tuer la population qui fait à la dernière minute. Même si les secteurs de résistance, ils sont obligés de courir parti et ils ont mis tout calme des programmes. Parce que je viens de dire un constat nous-mêmes, en dans le réveil national et allié. Et nous estimons que les formatés en forme d'esclavage, mais sur une nouvelle forme pour nous, côté que ils ont érigé plusieurs programmes, ils ont ouvert plusieurs frontières à ici aller. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont aimé nous, mais c'est une façon qu'on est très très bien dans son peuple qui gagne l'énergie pour nous faire tout ça eux-mêmes. Ils refusent de faire la caillou et en façon pour nous développer le pays, mais jamais j'ai une possibilité, créer une stabilité pour nous développer le pays. Pardon. Et bien nous-mêmes nous disons, nous comprenons le jeu là, et c'est ça que nous demandons. Dans nos possibilités pour que la décision prenne de part nous-mêmes, avec nous-mêmes et pour nous-mêmes, une fois pour toutes, pour que nous arrivions à mettre le pays d'Haïti sur un plan de développement qui va permettre que petit-petit, sentir que nous fiers. Et encore une fois, nous avons parlé de Haïti pour le bon. Ou gen plusieurs bagay ou mentionné et nan intervention là, surtout on manque de confiance ou bien peuple a beaucoup vraiment sensibilisé par rapport à et message que réveil a lancé à, parce que bien évidemment peuple ça saute passé on gros période non seulement sous Jovenel Moïse et puis sous Ariel Henry côté population t'a prend la rue pour dire yo pa vle et te gen des leaders à la tête de mouvement sa yo maintenant leader sa yo te vin joine possibilité pour yo té nan pouvoir pas rien qui fait pour population en situation vin plus dégénéré et donc discours réveil là qu'a peut-être poko sensibiliser population nan point que l'ta supposé sensibiliser là et nous ka remarqué rivey là dans toute et conférence de presse toute intervention dans la presse jusqu'à date yo pa jam reconnaître et conseil présidentiel qui là maintenant conseil présidentiel a fait scandale du et dossier BNC côté que trois membres là dans le saut mentionné ULCC mandé faut que mettre action publique en mouvement contre eux-mêmes situation compliquée na et la Tibonite réveil moi c'est tout ensemble membres réveil et surtout et gros mouvement ça qui gagne et opération pour libérer Haïti yo ouais qui ça saut passer dans la Tibonite là côté que plusieurs citoyens perdu la vie yo dans cadre attaque que nèg avec zam fait sou yo nous même dans équipe réveil là nous même dans et gros mouvement ça ou la opération pour libérer Haïti comment nous analyser situation ça et qui ça nous entend entreprendre pour nous capable porter non seulement support nous à population et ceci porter un message au moins pour peuple ça capable sensibiliser et rejoindre nous dans bataille que n'a mené. Merci pour question et on doit avec une attention soutenue. Écoutez donc. Message nous en clair. Message nous hein, c'est que nous toujours dit et dès le début jusqu'à date parce que réveil national c'est une entité politique qui est surtout en clanché. On a dit pour mouvement contre Ariel Henry. Parce que on nous dit que Ariel Henry était lui-même entré au pouvoir, et si nous rappelons, nous, et en 2021, tout de suite après la mort de Jovenel Moïse, c'était avec un consensus côté que tu as gagné une petite feuille de route qui était nommée. C'était surtout garder dans quel niveau tu as éradiqué le phénomène de sécurité. Donc, nous avons considéré que plus passé 24 mois, la situation vient plus mal. Bien, nous-mêmes, nous avons dit non, nous ne pouvons pas rentrer dans ça, puisque nous avons gardé un peuple qui est jeune, qui lui-même a perdu petit, il a perdu madame, Marie a perdu madame, et madame a perdu Marie, maman a perdu petit, petit a perdu papa. Bien, nous avons décidé
pour nous monter au créneau, pour nous dire non, puisque nous estimons que c'est une forme de complaisance entre les dirigeants et les bonnes armées. Maintenant, malheureusement, et pour la grande population qui, eux-mêmes, effectivement, ont emboîté le pas pour Poutine, mais les attentes systèmes étaient toujours là, et c'est le monde qui est toujours prêt pour accaparer pouvoir, eux-mêmes, ont fait tout carrément, et même stratégie que c'est eux-mêmes encore qui ont monté au créneau, et c'est ça qu'on voit. Et groupe monde qui forme Koulev, cette tête de con, on que ça là, ouais, c'est le monde qui contribue dans toute déception pays, hein. Et c'est ça qu'il faut qu'Alvin Jeune, yo, c'est à l'époque des CV au niveau de CARICOM, de la Cavinilla, et aussi des contractuels de la CARICOM. Maintenant, on nous dira que c'est une occasion en or, mais nous pas dit que c'est la fin de la bataille, et nous décidons de continuer. Et ça encore, Liban nous qui ça comme leçon. Nous fait nous justement venir de comprendre côté que c'est facile pour nous identifier. Je dis à la, tout le monde qui s'est ennemi changement dans le pays, hein, parce que du regroupe en dedans, c'est que ça qui est venu avec Koulev, cette tête de con en cœur. C'est eux-mêmes qui l'a. Et c'est ça que fait le peuple là. Nous souhaitons que très intelligent pour l'identifier. Et laisser nous pas trop gros travail pour nous faire. Pour nous connaître n'importe quel, nous avons pompé tout bon, et pour nous arriver à déboucher sur la nouvelle Haïti que nous avons pris, eh bien, nous comptons tout le monde qui a seulement été comme observateur, mais qui n'a pas capable de prendre note, parce que eux-mêmes, c'est le monde qui participe à tout complot contre la population. Donc, tout côté de complot qui a fait contre le pays, le monde est toujours là. Maintenant, et nous disons que nous continuons la bataille. Eh bien, et de fait, nous n'avons pas de jambes rentrer dans la dynamique qui sont CPT, qui ont été. Et fait le vin national fort de Samandine, vous nous voyez, et membres. Et d'ailleurs, il y a eu fait tout le secteur, il y a eu fait nous deux. Mais malheureusement, nous n'avons pas traité. Heureusement, pour nous, bien entendu, nous n'avons pas traité notre dynamique. Là. Maintenant, et je vous dis à la, nous arrivons donc à fond côté que nous avons observé, puisque population, parce que nous-mêmes, au niveau du vin national et allié, nous gagnons population comme patron. Côté que nous sommes un peuple situé, c'est vrai, on a fait comprendre le bagage. Mais nous venons comprendre tout. Le phénomène de l'insécurité faisait tellement rage et le peuple lui-même était asphyxié. Quel que soit le type de monde qui devine dans la période ça, là, qui t'a parlé de sécurité pour tous, c'est sûr que tout le monde a emboîté le pas. Sauf nous-mêmes, puisque le monde nous a habitué à nous et nous avons dit qu'on n'est pas gagné, pas qu'à espérer de nous. Et c'est le monde qui a une mission. Et mission, si vous regardez bien, c'est mission pour nous exterminer. Nous. Puisque plus de 5 mois après l'atterrissage de ce conseil, et on pourrait bien deux côtés qui battent des fois le gang, c'est bien quand on a pu se plier. Et on sait que de côté, qui est mon yo, c'est plus ou moins la carrière de la caillou, mais qu'on est là, mon yo même, et on a couru. En nous prenant le cas, on a toujours et sympathie moi, avec mes confrères et consoeurs au niveau du département de l'Artibonite, puisque moi également, je suis artibonicien, et on a pensé qui, et yo même, a connu de jours noirs, il n'y a pas connu qu'il est le jour, il n'y a pas connu qu'il est fait nuit. Puisque bandit envahit yo et après pendant que le premier ministre qui l'a annoncé que yo pral éradiquer le phénomène d'insécurité hein, maison par maison, zone par zone, quartier par quartier, et ceci garder qui gens le pral établir sécurité et ceci non tout avec eux. Mais depuis lors après son camarade qui a fait le show médiatique était gelé par balle sous lui prend toute qualité équipe au niveau des forces publiques pour rentrer en dedans et quand c'est entré Sean Marsan, elle fait chaud, entré en bas la ville, pour faire l'impression que on bagaille et qu'a penché. Alors que ça, c'est du bluff, puisque avant même qu'elle était là, pas de bien gâti, nous venons bien gâti, et grissier vient amplifier, et maintenant, et bagaille va marcher plus mal au niveau de l'Artibonite. C'est vraiment écœurant, et me penser que la population est obligée de monter au créneau. C'est vrai, ils ont mis les non-situations côté que c'est faiblesse qu'ils avaient utilisé, puisque les gens nous ont dit, au départ, du phénomène. Insécurité à côté que vous avez dit, vous Calvin, et pas insécurité, le monde est obligé. C'est pas parce que vous êtes d'accord, non, mais vous êtes fonti bémol pour observer, au moins vous êtes en attente. Mais c'était en quelque sorte de discours pour la galerie, c'était pour la consommation du grand public, mais vous êtes convaincu très très bien, vous n'avez pas bien, vous avez fait, et c'est dans ça que vous devez mener. Non. Donc maintenant, qui est-ce qu'on est agenda équipe ça qui est là? Personne d'ailleurs. On nous regarde que par rapport à la superficie, non, en termes de pays, en tant que première république noire, et c'est nous, c'est le seul peuple sous planète là qui a bougé son structure collégiale, côté qui gagnait près de 9 présidents,
de son premier ministre, qui est lui-même pensé à l'instar d'un véritable bois. Et on a fait une démarche avec eux, c'est dichotomie qui a fait d'entre eux. Regardez ce qui s'est passé là tout récemment, pour ça qui vient pour eux, avec une délégation qui lui-même vient pour représenter le gouvernement au niveau de 79e session et en Conseil des Nations Unies. Et bien, pour être tout ça qui t'a passé. Je l'avais dit que la démarche avec eux, ouais, tout le bagage là, sauf le pays qui va là. Puisque tout le monde a promis, c'est vous pouvez être, tout le monde a promis, c'est vous-même qui pouvez jouer X ou Y privilège. Donc là, nous-mêmes, nous disons non et nous créons haut et fort, nous pas qu'à continuer à la bourse. Et nous disons que nous avons un pays qui, et pour l'instant, a connu toutes cales de difficultés. Pour ne pas parler de pauvreté, parce que le pays n'est pas pauvre, c'est justement le monde qui toujours prend tête pire, le monde qui toujours accapare le pouvoir. Il n'y a pas gagné pour le développement qui est pâté. Et c'est ça qui mettait le monde en misère extrême. Mais il faut comprendre que chaque conseiller président, m'a parlé des neuf, il coûte l'État et c'est à peu près 2 millions de gouttes chaque mois. Ça, monsieur, et ça mettait tout sous toute forme de corruption côté à faire, marcher rançonner les électeurs généraux, il y a marché rançonner tout, il y a marché rançonner ministres. Eh bien là, je pense que nous n'avons pas qu'à continuer comme ça. Et c'est chaque monde indistinctement qui vous mettez mieux en bataille là pour nous garder ensemble quel type de plan de développement national que nous avons érigé pendant nous à concerter. Pour nous chavirer ça qu'il a, et pour nous modifier le système, non, et mettre un système qui est directement la grande population qui est en développement, et pour que nous prenions des décisions à la SN, donc nous-mêmes, nous aujourd'hui, au niveau du réveil national pour la souveraineté d'Haïti, puisque nous avons parlé du rapatriement de notre souveraineté sur toute la ligne. Nadia Pierre, vous avez posé une question. Nous assurons là, sous plateau, nous connaissons la diaspora à édifier par après intervention. Et puis, nous qui suivons nous à l'échelle nationale à édifier des interventions. Question nous-mêmes pour mettre là, qui différence ou faire pour montrer population ou écarter des politiciens traditionnels qui toujours a utilisé population, qui toujours a utilisé misère, pauvreté, population. Allô? Bien, c'est bon. Oui, allô, moi là. Comme que mon si j'ai pas copié et je vais aller ici parler hein, avec la voix féminine, je n'ai pas copié le trop bien, je ne sais pas qu'on est ça qui passé. J'aime bien l'impression de demander que qui dit et au niveau du réveil national nous fait. Et c'est là où bien recevoir là? Qui différence yo fait pour écarter politiciens traditionnels qui toujours utilisent misère, pauvreté, population hein? Par population, mille groupes pour prendre la rue, pour dénoncer, sans yon pas gagner idéologie, yon pas gagner philosophie pour yon dire, mais tel bagay, nous-mêmes dans l'opposition, 1, 2, 3, 4, 8 plans nous, qui j'en que nous, Haïti, dans 5, 10 ans, que yon gagne un plan politique, yon plan d'assorti, yon même dans l'opposition qui prend. Ok, merci pour la question, c'est une très bonne question. Nous montrer population différence que nous gagne entre politiciens traditionnels avant et groupe monde qui dit nous c'est opposition maintenant que nous gagne une idée contraire ensemble avec gouvernement qui la remplace pas. Merci pour la question. Et qui t'aime dire vous différence là les fêtes déjà. La réponse de Nadia Pierre. Allô? Pas contre si nous t'aimons. Oui, ça va. Vous m'avez répondu. Ok, nous t'aimons. Oui, ça va. Et bon, naturellement, et nous-mêmes, différence nous fait déjà. Nous faisons différence déjà de la mesure où nous t'ai essayé. D'abord, on nous dit que, et dans le moment où nous avons monté conseil présidentiel là, nous avons contacté. Nous avons demandé de nouveau deux mondes.
tous les deux. On va demander chaque secteur au moins. Mais ça, il n'y a pas d'intention puisque nous pas de groupe qui t'a boumé parce que nous pas jeune. Ça qui constitue les possibilités, c'était surtout ouais, nous avons des jeunes possibilités pour que nous ayons un pays qui a fonctionné en toute liberté et côté que souverain des pays en Dakar à l'honneur. Maintenant, et juste côté ma parole à quoi là? Si, et toile de fond, non, ou encore vision bataille, il était résumé seulement dans ça qui vient pour avec les questions chercher gâteau, ou encore pour toi que je m'y mette, je suis certain que on pas besoin de notre coordonnateur général, qui c'est Jean-Tel Joseph, dans le temps, ou pas besoin de moi-même, qui c'est Dinarov, le porte-parole et qui dans le clan, on pas qu'être l'autre pendant qu'on pas t'apprenne parce que off-yo, yo venait de part et d'autre. Et ceci, nous, c'est le monde que yo estimé qui c'est le plus important que yo devait arracher, non? Moi-même personnellement. Mais ça, nous dit non. Pour une fois, faudrait-il qu'il y ait des Haïtiens conséquents qui décidaient, en tout état de cause, mettez dimension d'hommes et femmes en application pour que nous menons bataille qui est bien pour avec souveraineté pour le bon et garder dans quel niveau nous cas et rendre pays à service. Même si, et moi, ça, on a planté, nous pas de chance pour nous jouer en blanc, mais au moins petit, non, a gagné ça comme possibilité et du coup, n'a qu'à arriver. Mettez Haïti et son réel développement qui va permettre que le pays aille de l'avant. Donc, c'est notre dynamique, ça nous inscrit nous. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nos différents de toute notre équipe, puisque j'en me trouve là. Et nous avons perdu ce bataille-là déjà. Nous avons gagné jusqu'à date. Et pour ta jeune, nous avons parlé non seulement souveraineté, mais nous avons mettre le pays à l'honneur parce que, en fait, on vient de partout. Mais nous-mêmes, nous avons décidé pour nous y mettre. Donc, quel que soit la chance, la bataille. Et pour que nous arrivions non seulement sensibiliser la population, donc j'aime bien dire tout à l'heure, et mon yo, yo censé traumatiser par rapport à sa politique, c'est fait déjà. Mais nous-mêmes, du coup, nous voulons faire tout ça qui dépend de nous pour nous rester fermes là-bas, pour nous accompagner yo, dans l'idée pour nous sabler la différence, dans l'idée pour que nous arrivions et créer bon genre structure qui va permettre que le pays reprenne la souveraineté pour le bon et pour nous arriver garder ensemble. Qui est dynamique que nous avons développé pour nous mener pays à bon port. Donc, la différence, en retenir encore, c'est que si nous-mêmes, nous avons été postés et battus, nous avons, c'est sûr, une possibilité de nous mettre tous dans une position qui est très confortable, mais ce serait contre la grande population. Et nous allons avancer pour me dire. Et le coordonnateur général de la ressource, c'est le monde qui a déjà tout fort. Et offrir toute classe de privilèges, surtout lors de la construction du canal de la dignité au niveau de Wanamet. Maintenant, qui ça a été fait? Et il y a d'abord, après à peine que le coordonnateur général, c'est lui-même, Jean-Tel Joseph, lycée également, et il était directeur à ANAP à l'époque, qui c'est Agence nationale des aires protégées, et qui a, côté que le dégain Bessab, qui sous responsabilité. Il y a demandé pour lever Agent Bessap sur le canal, là. Et c'était Agent Bessap qui était là, qui était fait que l'armée dominicaine n'a pas envahi la population. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire, il a demandé de lever Agent Bessap, et il a dit non, il n'a pas pris cause de la population. C'est une façon pour me dire que nous-mêmes, au niveau du réveil national pour la souveraineté d'Haïti, et monter dans le gros de l'Alfa, et la continuer, et faire l'argent sous nous, et pendant un gaspiller les fonds publics, j'en ai gué à faire d'ailleurs. Conseil de bureau et ministre actuellement, c'est dans un hôtel, dans un grand hôtel, dans plusieurs grands hôtels dans la ville, quand il a payé 3, 4, 5, 100, 600 dollars américains par jour, sous dos le peuple haïtien, sous dos l'État haïtien, quand il a cette taxe sous la payer, qui se soit l'un fait assurance machine, nous, l'un pays plaque très propre, dans le dernier budget, j'en ai gué élucidé là, il a augmenté. Allô? Décider pour nous dire qui est pour avec l'amélioration pour la population, mais non pas et au profit d'un petit groupe qui a même fait beurre contre le développement du pays. Donc, c'est dans le massacre, nous inscrivons. Porte-parole. Porte-parole. J'ai une question pour porte-parole là. Oui, oui, vas-y. Et qui va écouter une TV de faire un micro-trottoir pour que l'Italie rencontre la population? Côté gen en pile moun ki t'a dénoncé opposition côté opposition plurielle là qui t'a doué accompagner population en moment difficile
entre l'école là, opposition préférée lancer des mouvements. Côté nous, lundi, il y a des mouvements, manifestations qui t'appellent devant Villa d'Aké. Malheureusement, la police est arrivée écrasée. Au lieu que vous accompagnez la population, vous avez plutôt à Baïkob, selon micro-trottoir, nous fait, selon un pire dire, et des plusieurs militants qui ont participé dans le mouvement, ça, vous fait connaître ces COB opposition plurielle, ça, tabay, pour vous t'apprendre la rue. Non, mouvement pacifique opposition a fait chaque militant sa yo pour pipiti konye 1000 goud nan men yo et gen si la ki konye 2-3 000 goud. Nous connaissons tout investissement kap fait depuis l'argent a bay de côté que yo pral tirer. Et qui est-ce qui a financé mouvement sa pour comme ça, dès que c'est pour militants au cas, je ne connais plus pas ces 500 militants qui prennent la rue. Côté comme ça, est-ce que les dires ces 1000 gouttes qui t'a mis la population dans la rue, qui ça y est vrai? Est-ce que nous, quand on dit, contre trois que nous faisons, nous pas qu'à faire confiance? Expliquez-nous comment ça y est. Ok, et alors, au bon moment, information là, que malheureusement, pas qu'on est. Ce sont informations que moi, pas qu'on est, parce que l'on parle de militants. Qui monnaie, monsieur est certain ça pas dans pratique du réveil national pour la souveraineté d'Haïti. Premièrement, allô? Et nous, c'est sensibiliser d'abord pour prendre responsabilité en tant que citoyen. Parce que si, je veux dire, là, toute bataille qui est mon habitude faite, et non, assurément, et dans le niveau, c'est le monde qui gagne de l'eau financement, dans le niveau classe. Allô? Pas de parole, il y a un petit coup dans l'intervention, là, je ne sais pas si le problème internet. Journaliste également. Mais, question micro-trottoir qui fait mention de. Et, Melgou, des membres de l'UVEI, d'a distribué pour permettre de militants dans la rue. Mon petit Jean est vraiment pas compris, puisque ça, un pas dans pratique, nous ne pas de l'argent. Donc. Hello. Hello. C'est une raison qui fait ouais. Le nous-mêmes, nous lançons mouvement de campé, ouais, gagner et en pile résistance pour que nous joignent au flou monde. De l'autre côté, et pour qu'un souci ou la programme. Préoccupation. On dit que, et côté n'a pas de réouverture des classes, au lieu de nous accompagner par un, et nous pratiquement lancer le mouvement de Vécampé. Qui t'aime son bagage? Et question réouverture des classes, on est d'accord que anthropologique, c'est une force. Est-ce que, on en a parlé de réouverture des classes, jusqu'à date, il y a des lycées en plein cœur de la capitale d'Haïti, à Port-au-Prince, côté que c'est des sans-abri qui n'ont eu. Alors, c'est le monde que des déplacés ont encore. Respectifs, qui malheureusement obligé de miser et de le monde sur place publique. Donc, l'IFARET comme une forme d'aberration. Et en plus de ça, tout, pas qu'on est, est-ce que nous sans savoir, nous disons dans la presse que chaque matin, on va pleuver pour nous entendre les deux parents qui ont même pris le plein, côté que vous avez petit, qui étaient sortis, malheureusement pas rentré, et ils n'ont pas compris qui côté, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas recevoir appel. Actuellement, par contre, c'est nous-mêmes, nous au courant de ça. En Haïti, il y a une histoire de trafic d'organes qui a fait. Côté que, les gens pour le monde, ils n'ont pas pris l'ouvrement de l'argent pour lui, puisque ce n'est pas kidnapping. Et selon ça, mon nous dit, dans l'enquête que nous menons, ils ont estimé que le trafic d'organes est plus moyen que la question de kidnapping. Non. Donc, le kidnapping ne vient faire perdre du trop de temps pour aller rencontrer le monde. Donc, c'est une façon pour me dire, nous, je ne suis pas prêt à contre-carrer ça qui est pour avec l'ouverture des classes là, je ne suis pas rentré dans la dynamique là. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas une atmosphère détendue pour nous parler de ça. Mais entre-temps, qui était me dit autour, la manifestation qui a été organisée par l'équipe de OLA, Opération Libérée Haïti, ce 30 septembre, le 30 septembre, il n'y avait pas de classe. C'était Ondan, une rappelée qui, suite à la première élection constitutionnelle
qui était organisé dans le pays. Et que en pile génération qui l'a toujours des chances assister. Et voilà que nous avons un coup d'état qui fait et le toute nation est réunie ensemble. Je vais remarquer des gains, mais les États-Unis là-dedans. Et c'est ça qu'on va louer quelques temps après. Ils étaient obligés d'imposer pour mener le président retourné. C'est pas que nous disons que c'était un bon président, mais nous avons bougé via une question de principe. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Nous toujours chita sur ça qui voit. Avec la constitution, avec les institutions constitutionnelles, que nous allons droite au niveau de la constitution pour nous chita garder ensemble qui s'engage pour nous jouer issus à la crise qui a traversé le pays pour l'instant. Et ma Brésil encore, aucune fois, décision, c'est haïtien qui fait pour haïtien. C'est vrai, le monde est une communauté, nous pas évoluer en vase clos, nous avons toujours fait des coopérations avec d'autres partenaires, mais en toute dignité que ça rendait. Par rapport à ce que nous-mêmes nous représenter comme peuple. Et m'a fini pour me dire encore, et avec la question que tu as posée, réveil national et allié, nous ne pouvons pas qu'un côté n'a pas encore. Le mouvement fait, c'est moi-même, c'est notre monde qui est dans la structure, qui prend des fonds personnels pour nous contribuer, pour nous garder, pour nous, qui gens, et nous caler de là. Nous ne pouvons pas qu'un militant que nous monnaie pour venir faire mouvement. Nous connaissons un pays qui est difficile. C'est sûr, gagner des largesses qui a fait suite à un problème qui ont militant qui a gagné et ont leader en fonction de possibilités dans une période qui a résolu. Mais nous n'avons pas gagné en quel militant nous monnaie. Tout le monde est dans la rue. C'est deux monde qui a fait passer frustration. C'est deux monde qui sentit que ils ont asphyxié, qui ont des difficultés extrêmes, qui estiment que ça n'a pas arrêté comme ça. Et c'est pas sans raison. Nous lançons au niveau du réveil national ce qu'on appelle école de la pensée ancestrale. Et à partir de ça, on a endoctriné mon yo pour nous faire sentir nécessité pour eux-mêmes de prendre responsabilité en tant que citoyen, ça qui va permettre que nous débouchions sur des décisions concrètes pour nous retirer le pays d'Haïti dans ma race de lire jusqu'à ce que nous puissions arriver pour le bon rapatrier de souveraineté nous une fois pour toutes. En pile monde, en pile amis internautes, abonnez-nous, vous pouvez suivre nous là, à poser en pile question. Où est Guy Philippe dans tout ça? Est-ce que, porte-parole, réveil nous connaît de l'arrivée de Guy Philippe dans le pays d'Haïti? Et c'est là le mouvement a commencé et nous connaissons une bonne relation entre Guy Philippe et Jean-Tel Joseph. Est-ce que, Ola, qui c'est Opération Libérée Haïti, c'est ça qui fait nous te poser une question ça dès les débuts pour nous te connaître exactement. Est-ce que l'équipe Guy Philippe fait partie? Et pour dire que un pile monde connaît Guy Philippe parce que c'est chef révolution. Peut-être parler là ensemble avec nous? Ola? Oui, moi là. Un pile monde connaît Guy Philippe, c'est chef révolution. Après ça qui t'est passé entre Guy Philippe avec Maurice Charles. D'ailleurs, dans le cadre audio qui t'est prêt là, où il y a noté où Jean-Tel Joseph t'est souligné. Et maintenant, qui relation réveille avec Guy Philippe? Pour population, pour abonner ou cap suivre nous là et porte-parole. Écoutez, qui t'aime dire nous, comment Guy Philippe pratiquement sont citoyens conséquents en dans lutte pour libération pays d'Haïti. Et d'ailleurs, nous t'avons compris que mon camarade qui lui-même était trahi par son par certains dirigeants haïtiens côté que il a délivré monsieur par les États-Unis d'Amérique après tout le temps qu'il passait dans la prison pendant qu'il a fait perdre du mandat sénateur lui. Et penser que la République, en quelque sorte, sentit quelque part au monde d'être envers lui. Maintenant, dès son arrivée des États-Unis d'Amérique, après tant que le film passait dans la prison, et que en pile, mon olive de la communauté internationale décide que de faire abus, je représentais ça, le représentait jusqu'à cette présente minute, pour ça qui est pour vous, entre relation et Guy Philippe avec le réveil national, qui me dit, tout le monde qui, eux-mêmes, ont aspiration de lutte pour la libération d'Haïti, et gagner des affinités extrêmes avec l'éveil national pour la souveraineté d'Haïti. Et c'est ça qui a fait tout. Dans la mesure de concertation que nous avons fait, nous gagnons un pile allié qui vient de nous, de la mesure où nous avons parlé le même langage. Et y compris toute équipe qui a même senti la nécessité pour le pays, pas continuer sous le même lancer pour que le pays d'Haïti gagne en quelque sorte de référence clé en matière de libération. Et je pensais que jusqu'à cette présente minute, Guy Philippe, à travers son discours, lit de discours qui allait directement vers la libération d'Haïti et
personne pas qu'à écarter de ça et personne pas qu'à prétendre ignorer lui. Et Réveil National, effectivement, a parlé de ça qui est bon avec souveraineté pays d'Haïti. Donc, Guy Philippe, en quelque sorte, répété, il voulait dire ça, il voulait dire que ce soit dans la lutte pour libération pays, hein, que ce soit par rapport à tout acte que déjà lui posait, à façon de camper, à façon lui-même, lui toujours traité avec quel que soit monde qui est sorti pour négocier avec lui, que ce soit au niveau de la communauté internationale, au niveau de la communauté nationale. Donc, et ça, personne n'a pas écarté au de lui. Et personne tout pas qu'à prétendre ou ignorer et de Guy Philippe qui lui-même qui sont figures de coup dans ça qui est pour avec changement dans le pays, dans ça qui est pour avec libération, dans ça qui est pour avec souveraineté jusqu'à cette présente minute. Très bien, et porte-parole, et question ça, en pile abonné trouvé que li nécessaire faut que nous poser où nous connaissons Jean Joseph, c'était directeur ANAP et ANAP était nous capable de dire BESAP qui était sous responsabilité Jean Joseph. Dans toute conférence de presse, dans tout mouvement qu'a fait Jean Théoué agent BESAP qui était solidaire envers Jean Joseph. Maintenant, nous sentons que dans toute apparition médiatique que Jean Joseph a fait, nous pas senti les mêmes mentionner situation que agent BESAP a vive dans prison yo, surtout après ça qui t'est passé 6 7 février côté Ariel Henry ou bien peut-être nous capable dire des policiers étaient attaqués des agents BESAP étaient grand pile là-dedans qui t'est perdu la vie jusqu'à date il y a des agents BESAP qui dans prison militants arabes qui se font en homme d'état dans prison et très critique envers Jean Joseph. Profitez occasion ça pour nous répondre question ça qui ça réveille là et a fait dans cas ça même si nous connaissons Jean Joseph pas directeur ANAP encore. Tout à fait, merci. Alors et on dit que vous pas attendez dans pile vous pas attendez aucune mention qui fait par rapport à Ajabé Sapio non seulement qui était victime mais situation de apprendre journée le dire. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas suivi toute conférence sur pas qu'on est passé au contraire je dis en la proposition de Joseph a mentionné et des agents a mentionné plutôt des mesures qui supposaient prendre pour se restructurer mais ça et encore et pas plus tard que dans dernière conférence de presse une avant dernière conférence de presse qu'une dégaine. Nous avons un avocat structure qui c'est M. Caleb Jean-Baptiste qui lui-même a continué avec des démarches que déjà Patrick d'avocat nous a en train de se déjà pour que nous arrivions à procéder à la libération à Jean-Baptiste qui est en prison. Et bataille maintenant pour que justice et préparation soit faite pour famille et à Jean-Baptiste que le gouvernement Ariel Henry a été assassiné. Et ceci, ça a son dossier qui surtout dans la direction de. Coalition de droit international et au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies pour que nous arrivions à une justice à préparation pour famille à Jean-Baptiste que des agents ou encore le magistrat de Pétionville, le commissaire d'alors et eux-mêmes assassinés lâchement et pour des raisons politiques puisque ça n'a pas de gain pour eux avec l'administration et là nous à bataille pour ça. Ça a été fait au niveau de Réveil National, batterie d'avocats. Prends ça en considération, ça sont dossier juridique. Et côté moi-même, personnellement, pour compagnie trop groupe avec quelqu'un qui m'a dit la donnée, puisque c'est pas ça me joue au niveau de Réveil National ou encore au niveau de l'opposition et Opération Libéra Haïti, pardon. Mais nous avons un avocat nous, qui a même à bataille d'arrache-pied, non seulement pour que réparation avec justice, mais surtout pour une libération à Jean-Baptiste qui a même. Et croqué dans prison. Donc, nous-mêmes, non pas voyé monter, nous parler selon les faits. Et monsieur est certain, avant longtemps, agent Sao, et qui eux-mêmes coupé des barreaux pour vous libérer, et vous jeune et à travers la République, qui eux-mêmes a venu témoigner par rapport à toutes mesures d'accompagnement que l'équipe Réveil National a allié, y compris les membres de l'opération Libérer Haïti, déporté à eux-mêmes leur. Même, non pas fait voyé monter, mon frère. Très, 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 très bien. Avant dernière question, porte-parole. Trois conseillers parmi sept conseillers présidentiels indexés et dans le cas de corruption, ILCC Bayra Paul, Action publique et doit mettre en mouvement contre conseiller ça. Qui avenir
conseil présidentiel là d'après vous-même, non seulement comme porte-parole rivé qui sont qui c'est opposition, mais surtout comme et citoyen qui fait politique dans le pays d'Haïti? Écoutez, d'entrée de jeu, nous pas déjà m'attendre aucun avenir par rapport au conseil présidentiel ça. Parce que moi je bagay automatiquement de comprendre de citoyen, parce que pour moi-même au niveau de CARICOM, pas oublier dossier Haïti, sur le c'est qui d'abord est sorti dans l'ONU qui est au niveau de CARICOM. Maintenant, l'un de comprendre depuis sous décor là, depuis sous démarrage, parce que je t'ai demandé de citoyen pour eux-mêmes à le protester pour venir chef dans pays. Et l'un connaît tout. Tout ça que tu dis dans la clause qui t'a pris à le météo là et où tu es d'accord quand même, eh bien là, nous t'es à comprendre que papa le gagne que c'est. Après ça, le gagne, par contre, si nous rappelons ça, corruption au niveau du BNC, ça, ton petit bagage tout petit, mais nous rappelons, nous, Jean, ça, on t'a prisonné le monde, nous t'es promettu à prêter au premier ministre. Et nous songeons tout, duel. Qui était gagné la caille conseiller Gérald Gilles entre le premier ministre et l'ex-premier ministre Claude Joseph. Donc, tout ça, c'est le bagage qui montre en quelque sorte tout ça qu'il a fait. Ou est toute qualité bagage là, sauf le pays qui n'est pas là. Donc, maintenant, on peut aller. Tout ce qui va faire plus de la République, c'est surtout côté que Nègre d'aller plus de rançonner le directeur de la BNC, encore le président du conseil d'administration de la BNC, dans niveau pour vous faire comprendre, pour vous qu'il y ait un. Et ça, qui indexé trois conseillers et présidents. Et nous comprenons que, comme des jours, même la femme de César ne doit être soupçonnée. Et cette fois-ci, c'est César, ce n'est pas sa femme, c'est César même. Donc, pour la moralité, pour le respect, pour l'institution à laquelle qu'il soit appartenu, il était supposé mettre à l'écart que justice fait lumière. Si vous êtes coupable, pour prendre un sort, vous méritez. Si vous n'êtes pas coupable, tout, pour retourner dans la fonction, parce que nous-mêmes, ce n'est pas parce que nous sommes en opposition, pour nous rapidement rentrer dans une dynamique de condamnation d'avance, puisque nous n'avons pas la justice, mais nous toujours demander pour que la justice lui-même intervenue et fait lumière sur ce qui a passé sous le conseil, puisque ça a parlé là. Là, on parle de rançonnement du monde qui, vous-même, pour venir brigade de poste au niveau de l'administration publique. Là, on parle de rançonner de directeurs généraux. Et nous connaissons très, très bien. Ça a parlé d'un cadre d'investissement. Et là, on est gravé chef tout. Il faut que lui-même arrange lui pour faire bénéfice par rapport à comment il investir. D'où tout ça, c'est pour empêcher que le pays a bien fonctionné. C'est pour empêcher que le pays aille vers le développement. C'est pour empêcher maintenant qu'il y a un bon genre de mesure qui prend pour rendre la police nationale loin, l'opérationnelle tout bon vrai, parce que le ça. Comme ça, dès que vous prenez dans la boîte l'État, eh bien, c'est pral de cob qui pral aller dans la poche. Un petit groupe, et puis voilà, la grande population qui a souffri. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Nous t'ai toujours demandé pour qu'il y ait une lumière qui fait. Donc, on nous dit, au niveau du conseil présidentiel, pas gagner nous attendre, pas gagner nous attendre. Et c'est une décision d'abord pour fort. Vous montez un conseil de sept têtes. On lève pas dans ma vie de sept têtes. Et deux cornes. Ça, c'est un petit salve de Dieu. C'est un petit groupe mafia qui regroupe ensemble pour soucier la population et pour rendre plus pauvres que j'en ai déjà l'hier. Et rendre plus gangs dans le pays, parce que chaque fond est là à tout. Ils mettent tête dans la position côté que pour chaque gang, pour l'idée de consolider le pouvoir, ils sont obligés maintenant à faire acquaintance avec des bandes armées pour continuer à terroriser la population seulement eux-mêmes dans le souci de consolider le pouvoir. Donc, ce n'est pas un conseil qui a d'avenir, et nous connaissons déjà, avenir par l'autre, que continuer à plonger le pays d'Haïti dans la boue, continuer à rendre la situation de la population plus dure, côté que vous n'avez pas qu'à côté, j'aime le dire dès le début, qui paquet pas de gang, et qui pourquoi elle est là, pas de gang qui vient à multiplier, et j'ai tout le monde qui a constaté sur tout le territoire. Non? Et d'où, maintenant, question kidnapping n'a passé via une autre étape, et j'aime dire non, c'est une histoire de trafic d'organes. Et après, l'autorité n'a jamais intervenu sur ça. La police pour ça n'a pas jamais intervenu et c'est la grande population qui souffre et cette situation qui ont même essoufflé et c'est eux-mêmes qui ont toujours payé les frais.
Question pam nan interruption là moi que ou bon petit crédit de confiance tout petit que ou fait ensemble avec conseil là parce que ou toujours mette si tel bagaille côté ou parler ou dit si si trois conseillers présidentiels yo pas ta coupable que retourner dans caution la justice fin fait enquête sur toi. Allô, allô, porte parole, est-ce que vous entendez nous? Est-ce qu'on vient ici voir nous? OK, OK. Juste pour vous dire que vous sentez vos crédits de confiance que ou même en soi que vous faites conseil là. Parce que vous parlez avec un élément de réserve que vous gagnez pour conseil là, en pile respect. Vous parlez ou d'ici trois conseillers. Et si vous faites, si trois conseillers ça, vous n'êtes pas coupable, qu'ils ont retourné en fonction, mais réveille ensemble avec Allié et Ola, toujours, ouais, c'est la Cour de cassation pour transition en sortie, ils n'ont pas reconnu transition noir sous blanc. Mm-hmm. Et est-ce que c'est transition que nous, par exemple, nous reconnaissons pas mettre? Nadia Pierre et go parti la question qui est coupée, faut tirer prendre. OK, oui. Trois conseillers ça yo ou dit après enquête que la justice fin fait, si yo coupable que la justice fait travail, si yo pas coupable tout, que yo retourné dans fonction yo. Est-ce que c'est des conseils que trois conseillers ça yo nous connaissons ces président Otayé qui voit le tab journal l'état? Est-ce que c'est même fonction que yo tab joué a, joué rôle yo tab joué comme président pays a pour ministre président jusqu'à présent que allié toujours kembe position yo qui c'est la Cour de cassation yo pas reconnaître conseil la noir sous blanc parce que yo dit li pas constitution pas prévoir ba qui les conseil présidentiel est-ce que dans fonction comme président pour yo tourner qui côté pour yo tourner même l'autre si yo pas capable que tourner dans fonction yo moi pas vraiment saine de son dia bien non. Merci écoutez là on a parlé de un fait qui est réel, un fait qui là qui existait qui devant nous. Et effectivement, bien content ou fait mention ça. Et tout journaliste, et la grande population entière, on est position réveil national pour la souveraineté d'Haïti et allié surtout à travers Opération Libérée Haïti. Cette histoire de conseil ou encore de couleur 7 têtes de corne, on fait ça, nous-mêmes n'avons pas là-dedans. Mais maintenant, on a parlé de un fait qui est réel, côté que, il y a un conseil qui l'a quand même, de fait qu'il a. Et on t'a dit, il y a un bagage que vous représentez. Il y a une structure qui représente, qui c'est la présidence. Maintenant, on va pouvoir nous parler tout à l'heure de toute forme de gagote qu'a fait, par exemple. On nous dit que nous avons 9 conseillers qui coûtent l'État ici à peu près 2 millions de gouttes chaque mois. L'on prend 2 millions de gouttes chaque mois, il fait 18 millions de gouttes pour 9 euros. Et maintenant, l'un qu'on est dans qui calte et pauvreté, que le monde a vivre là par rapport à gens, il a créé un système. Et pour nous, qui permettent que le pays est vraiment, mon Dieu, à vivre dans le cash. Donc ça, jamais, en tant que citoyen conscient, il n'est pas jamais rentré dans l'igné par nous. Mais là, on a parlé effectivement de monde qui est là, il y a là quand même. Là, on a parlé de si il y a même une moralité dans l'idée probablement, où il y a rendre et il y a plus ou moins légitime dans ça où il est rentré. Nous-mêmes, ça n'a pas rentré dans l'igné. Nous-mêmes, d'ailleurs, même parler, m'a parlé de ça, on fait comme corruption, tant qu'on me désolé. Pas de jamais attendre l'autre bagage de haut. Mais on. Oui, il n'est pas devant non plus. Porte parole, grand pile coupure. Porte parole, faut tirer prendre légèrement pour nous parce que grand pile coupure, grand petit coupure. Allô. Où t'as demeuré? Ah bon. Ok. Oui. Est-ce qu'on coupe là? Oui, ça va maintenant. Ok, d'accord. Oui. Alors, nous t'avons dit tout à l'heure, c'est pas parce que nous-mêmes, au niveau du réveil national et pour la souveraineté d'Haïti à Cali, y compris et grande mouvance qui c'est Opération Libérée Haïti, nous marchons dans un mix français et ou encore vous lève cette tête de corne en que ça, comme je vous dis. Mais on nous dit de fait que là, et population est obligée. Thank you.
prenante. Comme même yo là, entre eux, dans l'idée de sauver. Ça, n'a pas passé dans l'autre étape et n'a comprendre que lutte n'a peine sur tout notre territoire. Non. Que ce soit à travers nos déclarations, à travers nos mouvements, nous pas rentrer dans 15 dynamiques du conseil 7, du conseil 9 membres qui ont même à continuer pour les populations. Je pense que nous avons 9 nègres qui ont fait corruption, côté chaque nos espaces différents. Et qui dit peut-être que pour que nous fassions santé économique, nous avons qui ça la République plongée. Et c'est dans ce sens ça nous-mêmes. Et nous avons clairement une position par nous, qui est bien définie. Mais comme de fait, yo là, c'est ça que fait me parler dans ce sens, nous-mêmes, nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour laver tête. Mais ce n'est pas parce que nous-mêmes, au niveau du réveil national, nous légitimons nous. Et je dis ça pour édification de l'autre monde capter nous là. Parce que je dis, nous face à une dérive totale. On dérive totale sur le plan national, côté que nous avons un groupe qui a tout ça qui verse vers le développement de Valadel. Et nous avons on classe monde au niveau de la diaspora qui prêt pour une portée qu'on est. Malheureusement, on a créé un système pour que tout le monde estime qu'il n'y a pas venu dans le corps de Chavez pour que nous n'avons pas besoin. Et nous-mêmes, tout ça, nous voulons. Nous voulons que la voix de la diaspora passe. Mm-hmm. Allô? Parce que les pas de voyage, hein? Nous utilisons seulement les kidnappés pour sauver le monde, mais il faut au moins nous battre la voix au chapitre que nous même tous, nous avons une capacité décisionnelle dans ce qui a passé dans le pays, pour nous même nous avons non seulement avio, mais nous avons tout en forme de représentativité de les affaires publiques et pour nous avoir une capacité décisionnelle au niveau de l'atmosphère politique en Haïti, pour nous dire mais ça ouvre et nous connaissons nous même qui fait des expériences à l'extérieur, yo t'a décidé de mettre poids en balance, yo même yo ka entité qui commençait avec développement pays yo en faisant des grands investissements et c'est ça que n'a bataille pour que pays li non après voler notre conseil qui normal pour que d'abord nous commencer via forme d'investissement ça jusqu'à ce attirer au même tout l'autre investisseur monsieur Gampil là yo qui gagne des rapports de proximité avec des groupes étrangers qui ka vini permettre que pays après le développement pour le bon et puis pour nous relancer et redynamiser également la production nationale parce qu'un pays qui pas même capacité de manger, de manger, et ça on pas qu'à parler de souveraineté et c'est ça nous-mêmes nous viser. D'abord, de ne parler de souveraineté, nous est souveraineté politique, souveraineté économique et souveraineté sociale parce que souveraineté culturelle parce que dans la dernière période ça nous sommes peuple capté galimatia au niveau de la culture, pays d'Haïti c'est le seul pays l'arrivé là-dedans les professeurs des scénarios pour qu'on carré dans qui pays quel que soit pays latino-américain qui on paraît là. Et vous ne pouvez pas nous payer latino. Mais Haïti, malheureusement, nous n'avons pas que ça. Et bien, nous voulons reprendre tout ça comme étant souveraine de nous pour que nous allions de l'avant, pour nous représenter effectivement ce que nous représenter dans le temps. Merci beaucoup. Merci pour votre parole. Nous sommes vraiment contents. Et le fait que nous ayons ensemble avec nous. Je pense que les amis internautes, les abonnés, sont vraiment édifiés. Je pense que. Bon, nous avons posé plus de questions, mais nous pensons que. Non prochaine intervention yon prochaine interview n'a pas capable parler plus et parole mettre une porte parole dans 2-3 minutes adresser ensemble avec population an, et surtout si la qui pi fait mieux pendant période réouverture des classes là tout à fait et m'a dit à population haïtienne même si nous chiffonnons dans moment. Mais c'est parce que nous avons transport et nous avons tassé nous. Mais nous, c'est bon toile. Nous pas chier. On continue à faire flambeau et mobilisation pour que nous arrivions à bon port, puisque faut que nous arrivions à libérer le pays d'Haïti de toute conze, de tout Cicéron, de tout Sila qui ont même regroupé dans fait complot contre la population. On bataille pour modifier le système. Nous avons dit que la diaspora haïtienne, quel que soit côté ou connecté dans le moment, ça là. Ou équipe qui là, qui se réveille national pour la souveraineté d'Haïti à Cali, à travers l'opération libérée Haïti, qui a pensé à eux, et qui voulait que, pour une fois, la diaspora haïtienne ait une capacité pour participer dans les prises de décision à tous les niveaux pour qu'elle arrive, remembrer et membre nous pour le pays d'Haïti prendre voie de développement pour le bon. Et nous connaissons nous-mêmes. Et c'est fiel, c'est nous qui avons gâché. C'est fiel nous qui avons pété, puisque tout ça qui gagne pour eux. Avec assistance, ils ont toujours sollicité nous. Mais malheureusement, quand c'est pour prendre des décisions, ils voulaient mettre nous à l'écart. Eh bien, nous-mêmes, je dis là, à travers Réveil National pour la souveraineté d'Haïti à Cali, à travers OLA, grand mouvement ça, nous dit non, cette fois-ci, faut que nous cessions avec forme d'hypocrisie ça, au pays d'Haïti, j'ai une chance
pour libérer pour le bon. Et tout ce là qui a capacité, qui a possibilité pour mettre poids en balance, eh bien, nous ne pouvons pas mettre à l'écart. Pour nous aller de l'avant. N'ab dit à la population qui eux-mêmes effectivement senti yo traumatisé suite à exact politiciens traditionnels faire. Eh bien pour une fois, on nous met des dimensions d'hommes et femmes dans l'application. En nous-mêmes nous pas voyer moun à discuter pour nous. C'est pour nous définir qui ça nous voulait et qui forme de gouvernance que nous voulait ensemble pour nous formater un plan national de développement. C'est vraiment qu'on est nous prenons en pile à bolotcho politique qui ban nous en pile parole. Léon fait nous comprendre, c'est non, y a goumé. Et puis depuis devant, ces négociations, pas où y a le fait, ou même y a le fait beurre, yo, y a le format de santé et économie. Et bien nous-mêmes, en réveil national et allié, à travers l'opération Libérer Haïti, tout ça nous voulons prendre comme décision, ces batailles pour que le pays d'Haïti a souffre, pour tout petit qui bénéficie, mais pas, pas pour un petit groupe. Et nous comprenons ça, nous très, très, très prudents, mais fais-nous confiance, fais-nous confiance. Non, pas, c'est des élus en personnel. Porte-parole, petit coupure et tape et rappeler nous encore et malheureusement aboué au plan national de développement pour que pour le bon nous aller pays d'Haïti vers le développement. Encore une fois merci pour l'invitation et me salue tout cela qui ont même été connecté nous. Bon me profiter occasion pour me saluer mes coordonnateurs généraux et ingénieur Saint-Armand de Lycée qui lui-même c'est coordonnateur, c'est président HPC et Fito Lafleur qui c'est président solution et puis le chef de l'opposition et également le coordonnateur général de Réveil National pour la souveraineté d'Haïti, Jean-Tel Joseph, et qui sont éminents combattants qui ont lutté pour que nous arrivions à établir bon gens qui permettent de reprendre la souveraineté. Salut M. Caleb, salut Edith Dalis, salut Nathanaël Joseph, qui sont paquet de combattants qui sont même toujours là. Salut UHRV, réveillé, Osman Joseph, et notre bataille ensemble pour nous mener la lutte là, pour nous mettre pays à sourire et développement. Merci encore une fois. Merci pour parole, c'est un plaisir. Nous espérons que vous toujours été disponible. La plateforme a besoin pour nous brasser l'idée sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Merci. C'était porte-parole réveil. Nous connaissons et qui s'est constitué ça capable bataille et qui dans opposition dans le pays d'Haïti. Nadia Pierre ensemble avec moi était à interviewé et porte-parole là donc nous Nadia Pierre ou ka ouvrir micro nous pensons que nous sommes passé un très très bon moment ensemble avec porte-parole là Nadia Pierre nous sommes passé un très bon moment avec porte-parole là bon nous venons faire pour nous clôturer l'émission hein? Et mot de la fin et Nadia Pierre. Et bonsoir DG, et bonsoir confrère JJM, malheureusement, qui n'est pas présent ensemble avec nous après-midi. Et bonsoir Kiki, et bonsoir Gigi, et bonsoir tous abonnés InfoPM TV. C'est toujours un plaisir pour nous partager plateau ça ensemble, pour nous analyser, commenter l'actualité dans le pays d'Haïti. Et bonsoir ensemble avec invité nous. C'était un plaisir. Quant à moi-même, on va bien pouvoir les voir demain. Si qui n'est pas bon Dieu content, bye bye tout le monde. Merci tout le monde. Nous sommes vraiment content ensemble avec vous. Et n'a pas continué brasser l'idée sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti, n'a pas continué là pour nous informer. Nous c'est InfoPM TV, channel Maman Peba. N'a pas croisé demain pour notre émission. Ciao.